Parfois, l'humoriste peut être victime du problème inverse, faire trop rire des personnalités politiques aux idées controversées et les rendre sympathiques. Philippe Cavé-Rivière avait notamment amusé Marine Le Pen en apportant ses chatudios questionnés sur France 5. Justement, quelle époque, le programme dans lequel officie Philippe Cavé-Rivière, avait décidé ce 24 juin 2023 de mettre à l'honneur son sniper. L'occasion pour celui-ci de raconter que certaines blagues ont parfois du mal à passer jusqu'à se retrouver menacées, j'ai eu tellement de menaces de mort qu'ils m'ont mis la sécurité à RTL. Quand j'arrivais, j'étais Barack Obama. Le compère de Léa Salamé lui a raconté à quel point quelques vannes sur la communauté portugaise lui avaient valu une flambée de haine. J'avais trois gardes du corps et je me suis dit il y a un mec avec un drapeau rouge et vert qui va me sauter dessus un jour. Des menaces qui se sont calmées après que Philippe Cavé-Rivière a présenté ses excuses à la radio. Les risques du métier pour celui qui a été révélé sur RTL après avoir écrit des années pour Nicolas Canteloup. Un équilibre difficile à trouver pour Philippe Cavé-Rivière. Parfois, l'humoriste peut être victime du problème inverse, faire trop rire des personnalités politiques aux idées controversées. Philippe Cavé-Rivière avait notamment amusé Marine Le Pen en apportant ses chats en studio sur RTL. Questionné sur l'embarras que pourrait provoquer cette réaction positive de la part de Marine Le Pen, Philippe Cavé-Rivière a déclaré, notamment concernant son rôle face à la montée du parti d'extrême droite, « J'essaye de ne pas prendre l'auditeur en otage. Je pense que le RN est un marteau de fête foraine. Plus on tape dessus, plus il monte. » Sur sa lancée, l'humoriste a développé son propos, avec ironie et réalisme, ils sont à plus de 88 députés. Je crois que ce n'est pas que de la faute de mes chats. Crédit photo, capture France 2.